La crise énergétique et l'augmentation du prix de l'électricité sont au centre des préoccupations des Européens. En quête d'indépendance énergétique, des pays comme la Serbie se tournent de plus en plus vers l'énergie géothermique, qui peut être une alternative plus écologique, mais surtout moins onéreuse. Bogatić fait partie des 250 villes européennes qui utilisent cette énergie pour le chauffage. Et nous sommes actuellement leaders en Serbie. La terre dégage une chaleur qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure que l'on creuse. Utiliser l'énergie géothermique consiste donc à exploiter ce flux de chaleur naturel pour le transformer en chauffage ou en électricité. Ce qui rend cette énergie très intéressante, c'est qu'elle n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première, la chaleur de la terre, est totalement gratuite. Avec cette énergie, nous réalisons des économies de 100 à 150 000 euros par an. Cela dépend aussi de la météo. Et il ne faut pas négliger l'aspect écologique, parce que ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La municipalité de Bogatić souhaite développer le projet pour qu'en plus des 8 bâtiments publics, 1000 foyers supplémentaires puissent profiter de cette énergie. Le président de l'association géothermique serbe affirme que ce mode de chauffage pourrait être la solution la plus durable. Lorsque nous présentons nos projets, parfois nous plaisantons en disant que nous pouvons garantir la disponibilité de cette ressource pour 1 milliard d'années. Par contre, on ne sait pas ce qu'il arrivera après. Une vingtaine de pays dans le monde produisent de l'électricité grâce à cette énergie. La Serbie, qui compte le plus de sources géothermiques par habitant en Europe, a pour ambition d'être un des leaders du continent.